Bingo Tron 4000 avec une équipe de type magique. Là on va faire d'une manière qui est quand même un peu intéressante. Une manière que je ne pense pas que vous ayez un jour vue. Qui commence par un fail. Oups. Bon, en tout cas, l'astuce ici, c'est de spam les avalanches. Parce que Mago, on s'en fout, mais lui, il est presque ingérable. Là, il va refaire sa pluie d'or. Donc, on esquive avec les terriens. Là, il se buff. Et le but, ça ne va pas être de le tuer, Mago. Et non. Le but, ça va être de tuer le petit Bling. Avec trompette. Et ça, j'avoue que je suis plutôt content de l'avoir trouvé. Surtout que sa vie, elle fait un peu du yo-yo. On va voir ce qui se passe. Hein. Tour 1, avalanche. Regardez. 1338 de puissance. Tour 2, éthérien. Tour 3, feu follet. Switch feu follet. Tour 4, évanescence. Tour 5, souhait. Et tour 6, switch. Et on fait ça en boucle. Et ça, c'est une synergie. C'est une utilisation du souhait rarement vue. Alors qui est très intéressante bien sûr parce que le feu follet est plus rapide. Hein. Mais du souhait avec éthérien. Lui il a fait... Oui voilà, pardon. On recommence. Et qui est aussi possible parce que pendant un tour sur deux il ne fait rien. Mais c'est juste très beau. Très beau de voir que c'est possible. Parce que basiquement, le trompette en prend plein dans la gueule. Et c'est aussi marrant parce qu'au niveau RNG, vous voyez qu'on en a un peu. Hein. Nous n'en avons cure qui nous fasse beaucoup de dégâts. Nous, ce qui nous importe, c'est de continuer ad aeternam. Jusqu'à ce que mort du petit Bling s'en suive. Oups. J'ai fait ça dans le vent. On re-switch. J'ai fait de la merde. C'est pas grave. C'est pas grave, même si j'ai fail, ça marchera très très bien. D'accord. D'accord. Bon, ceci dit, au lieu de tout recommencer, comment ça gouin, je vais plutôt montrer que le fail n'est pas punitif. Et je vais prendre un coup. Avec mon éléphant, voire même deux, parce que là je pense qu'il va se soigner.
Ethereum. Alors bien sûr, si vous avez... Qu'il existe une mascotte qui stun à tous les... Non, non, il me semble justement qu'il en existe. Ah, voilà. Si vous prenez... non, non, ça c'est pas bien, parce que ça ramène la mascotte qui a le moins de vie en face. Si vous... Excusez-moi, je vais continuer la ronde. Il n'y a rien qui stun en... Qu'est-ce qui peut stun? On re-switch. Non, mais autre chose que des trucs qui en... Ouais, vas-y, tu peux me bourrer. Qu'est-ce qui peut stun en magique? Il me semble qu'il n'y a rien. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez raté la magnifique action du coup critique. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais Ethereum, c'est ça? Un coup critique pour mes beaux yeux. J'ai tout fait rater au vieux viewer hein, qui. Oh là là. Voilà. Là, on a gagné, on le sait. 1, 2, 3. Ouh, bravo, merci, 1110. Bon, du coup, vu qu'il n'y a rien pour stun efficacement. Non, les portails du néant, on s'en fout. Excusez-moi, je me suis lancé dans une idée. Effectivement, je ne trouve pas, je ne trouve... Bon, écoutez, il n'y a rien pour stun efficace, mais si, imaginons que vous faites passer AU en deuxième mascotte, en mascotte inactive et Mago en mascotte active. Vous pouvez continuer à faire ça ad aeternam, entre feu follet et trompette. Ou presque à Déternal, puisque le feu follet va prendre quand même 42 de dégâts tous les 6 tours. Hein, tous les 6, vous c'est pas 42 dégâts que vous lui faites, c'est 590 répartis en ses mascottes. Vous pouvez faire ça pour complètement pour le trivialiser, ces 3 mascottes d'un coup. Mais ça prendra plus de temps. Mais là, je suis quand même très content de ce que j'ai fait. Moi, je voulais vraiment vous montrer ça, quoi, la possibilité de faire Avalanche, Ethereum, Switch, Evanescence, Sway, Avalanche, Ethereum, etc. Donc, un cycle de 6 tours et qui est possible uniquement parce que il n'attaque qu'un tour sur deux. Sinon, on prendrait des dégâts.